Bonjour. Il faut que je mette là. Okay. Bonjour à tous, chers compatriotes, chers Africains. Tout d'abord, je vous remercie par rapport à votre présence, par rapport à votre disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le combat dépasse la personne Ousmane Sonko. Le combat dépasse le parti passif. Aujourd'hui, on parle de démocratie au Sénégal. On parle de consolidation de la démocratie. On parle d'une justice équitable et neutre. Vous le savez, au Sénégal, on n'a pas de justice indépendante. On a une justice qui est instrumentalisée par l'exécutif. Depuis 3-4 jours, il y a plus de 400 jeunes qui sont emprisonnés. Sachant que la capacité carcérale aujourd'hui au Sénégal est de 4500 prisonniers, aujourd'hui nous nous retrouvons avec une surpopulation carcérale de plus de 11500 prisonniers. Et rien qu'à Rebos, nous sommes à plus de 383%. Et malgré tout ça, la dictature sanguinaire, l'État voyou, continue à priver de liberté les fils du Sénégal. Ce qui est intenable, et ce qui est inacceptable, et ce qui est écœurant. Raison pour laquelle tout Sénégalais est pris de justice, indépendamment des appartenances au niveau des partis politiques, etc., de la société civile. Vous devez tous être concernés par ce combat. Je l'ai dit, vous avez vu récemment un mémorandum signé par plus de 60 partis politiques et mouvements de la société civile. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une jonction organique au niveau de toutes ces organisations. Nous avons également une jonction thématique, parce qu'encore une fois, vous avez la société civile qui dit « Djamagun troisième mandat », mais est-ce qu'on aura ce Djam-là quand le président Sonko sera mis sous guillotine politique? Non, ce n'est pas possible. Donc vous verrez que tout est lié. Il faut combattre le troisième mandat, mais aussi il faut combattre Macky Sall à ce qu'il ne choisisse pas les candidats qui vont aller à l'élection présidentielle. Le président Ousmane Sonko doit faire partie des candidats pour cette élection de 2024. Macky Sall est écarté d'office par la Constitution, l'article 27 de la Constitution. Mais également, les syndicalistes sont concernés par ce combat. Pourquoi je le dis? Les syndicalistes, ils ont une mission qui s'appelle en fait la justice sociale. Leur objectif, c'est vraiment qu'il y ait une justice sociale. Mais est-ce qu'on peut avoir une justice sociale dans une dictature? Une justice sociale ne saurait prospérer dans une dictature. Donc vous verrez qu'on a exactement le même combat. Les syndicats des agents de la santé, ils sont aussi concernés. Et pourquoi je le dis? Mais il y a un rapport qui est sorti par la Cour des comptes récemment et qui épingle l'État sur plusieurs points, sur un détournement de plusieurs milliards. Pourquoi le syndicat des agents de la santé est concerné par ce combat? Parce que ce manque à gagner-là pouvait aider à ce que le secteur de la santé soit équipé convenablement. Mais également, il y a le clientélisme politique au niveau des recrutements. Ils n'arrêtent pas de le dire. Parfois, ils recrutent des enseignants pour faire office, je ne sais pas, d'infirmiers ou d'agents de la santé. Ce qui est impensable, ce qui est inacceptable. Donc, tout le combat tourne autour de la bonne gouvernance. Tout le combat tourne autour de la consolidation, du renforcement de la démocratie, du renforcement des institutions. Ceci étant dit, le président Ousmane Sonko, il y a un procès sur lequel on va aller et qui va se tenir le 30 mars. Nous savons tous que le procès, les jeux sont déjà joués. On connaît d'avance le résultat. Vous savez tous que l'objectif, c'est tout simplement de condamner le président Sonko, de le priver de ses droits civils et politiques et qu'on puisse l'écarter en tant que candidat. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième objectif, c'est la dissolution de PASTEF. Il faut que vous le sachiez. Mais est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce que vous allez l'accepter? On ne peut pas l'accepter. PASTEF va faire partie de la course à la présidentielle de 2024. Notre candidat sera le président Ousmane Sonko. J'entends parler de plan B. On n'a pas de plan B. Il faut que ce soit clair. Parce qu'un plan B, c'est une lâcheté. Il faut le dire. Quand on parle de plan B, cela veut dire qu'on accepte ce que le dictateur est en train de faire au Sénégal. Ça veut dire aussi qu'on a lâché le président Ousmane Sonko, qui a eu un impact au niveau de sa santé. Il a été gazé. En tout cas, il faisait face à une tentative d'assassinat. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de parler de plan B? On ne doit pas parler de plan B. Ousmane Sonko sera notre plan de A à Z. La justice sénégalaise doit, en tout cas, revoir sa manière de fonctionner. La constitution est claire, la justice doit être indépendante. Je n'arrête pas de le dire, le juge, dans l'exercice de ses fonctions, n'a d'autorité que la loi.
Mais malheureusement, les juges qui veulent user de leur principe d'indépendance, malheureusement, sont sanctionnés. Vous avez vu qu'il y a eu un chamboulement de la magistrature, au niveau du Sénégal. Les magistrats qui ont vertu, malheureusement, ils ont été sanctionnés. Il y a des magistrats qui ont une certaine charge disciplinaire. Mais malheureusement, ils ont été promus. Tout simplement parce que il y a un plan derrière. Comme je l'ai dit, il y a un plan de liquidation politique. Il y a un plan de mise sous guillotine politique de Macky Sall. Aujourd'hui, personne n'est épargné. Les neutres, les fameux neutres qui pensent qu'ils ne seront jamais impactés, eh ben, je peux vous dire qu'ils sont dupes. Parce que si Macky Sall arrive à éliminer le leader de l'opposition, eux, ils ne pourront pas tenir, ils ne pourront pas faire face. Et je le dis, il y a eu ce qu'on appelle le bal des charognards. Quand le président Ousmane Sonko a été hospitalisé, on a entendu des voix. Il y a même leur chef de file qui est sorti en disant que j'avais la possibilité de l'éliminer bien avant. Mais c'est parce qu'on est dans une démocratie. C'est ce que j'appelle le bal des charognards. Et mais c'était sans compter sur un homme qui est politiquement bâti à chaud et qui s'appelle le président Ousmane Sonko. Donc nous allons continuer à faire face. Faste va faire partie de l'élection présidentielle. Ousmane Sonko va être notre candidat. Tous les autres partis de l'opposition qui ont une protection constitutionnelle via l'article 58, parce que je le rappelle, la Constitution insiste sur le principe d'un jeu loyal et équitable entre opposants et majorité. La Constitution insiste également sur ce qu'on appelle le statut de l'opposition. Donc l'opposition est protégée par la Constitution à ce qu'elle puisse en tout cas s'opposer par rapport à l'action du gouvernement et sans entrave. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de loi au Sénégal. Les forces de l'ordre, n'en parlons même pas. La justice, les journalistes qui devaient mettre en avant la déontologie journalistique. Donc tous les secteurs sont gangrenés. Et c'est le fameux système que combat le président Ousmane Sonko. C'est pour ça qu'il y a l'étau qui se resserre autour de Sonko. Nous avons beaucoup d'ennemis. Parce qu'on ne peut pas combattre le système sans pour autant être égratigné. Et c'est ce que je dis. Chers pastéfiens, chers patriotes, chers Sénégalais épris de justice, vous savez, nous sommes en train de traverser des épreuves. Mais c'est des épreuves qui donnent, ou qui rappellent des prémices concernant une dynamique triomphale. Pour avoir une dynamique triomphale, parfois, on est obligé de passer par des épreuves. Mais c'est dans ces épreuves-là qu'on doit user d'une valeur intangible au niveau de passé. Et cette valeur, c'est la fraternité. Arrêtons de dénigrer les responsables du parti, certains patriotes, etc. Nous avons qu'un seul adversaire et il s'appelle Macky Sall, le dictateur sanguinaire. Il ne s'en cache plus. Il est devenu dictateur. Ne comptons pas sur la communauté internationale. Nous avons vu que la communauté internationale a toujours mis en avant la diplomatie curative versus la diplomatie préventive. Cette communauté internationale-là, elle va attendre à ce que le peuple prenne le dessus pour venir faire un semblant de jouer à la médiation. Donc, le peuple, la souveraineté appartient au peuple. Et ce combat ne pourra se gagner que par la volonté et la détermination du peuple sénégalais.